Récemment, Michel Sardou a dû retourner à l'école. Le chanteur de 75 ans aux millions de disques vendus a fait un gros excès de vitesse sur l'autoroute et s'est indigné de son sort sur BFM Télévision. W9 continue de rendre hommage à la carrière de Michel Sardou. Après le classement de ses 20 meilleures chansons, ce mercredi 18 janvier, le célèbre chanteur français sera la star d'un documentaire inédit baptisé L'énigme Michel Sardou. Diffusé en prime, à partir de 21h05, le long métrage tentera de percer le mystère autour du personnage à l'image controversée. Ses proches s'exprimeront à travers des témoignages permettant, en outre, d'en savoir un peu plus sur les membres de sa famille, dont sa grand-mère. Mais une autre chaîne s'intéresse au phénomène Sardou, puisque l'artiste était l'invité de BFM TV, ce soir. Des folies au volant de sa voiture allemande à bientôt 76 ans, l'interprète de Je vais t'aimer se prépare à remonter sur scène cet été. Une annonce qui a réjoui ses fans, nombreux à s'être rués sur les places. Si bien qu'elles se sont vendues en l'espace de 8 heures. Si est au sujet de ce dernier succès que Michel Sardou était reçu dans BFM Story. Et le compagnon d'Anne-Marie Perrier avait une toute autre histoire à raconter, lui qui a dû endosser le rôle de stagiaire à cause d'un excès de vitesse sur l'autoroute. Je me suis fait coincer, il a fallu que j'aille à l'école à 6h du matin pour écouter des conneries racontées par deux professeurs de je ne sais pas quoi pour récupérer des points, explique-t-il, précisant qu'il a été obligé de faire un stage de récupération de points car il n'en avait plus du tout. Une erreur qu'il ne reproduira plus. Je roulais à 166 km/h au lieu de 130, ce n'est pas énorme. J'étais en train de doubler un mec qui roulait à 110, il ne faut pas charrier, rouspète Michel Sardou qui devait remplir une feuille d'émargement et suivre des cours pendant 2 jours. Et ça sert à rien. J'avais une crainte si est qu'il nous interroge sur le permis de conduire, parce que depuis le temps que je l'aille passé, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés. J'allais peut-être me faire engueuler. Mais pas du tout. Il vous parle de la philosophie et d'autres trucs, se lamente-t-il, ne tardant pas à donner son avis. Si est de la merde. Ça ne sert à rien. Si est-il l'État qui prend du pognon et qui vous punit, estime le septuagénaire qui a tout de même récupéré 4 points. Finissant par vanter les mérites de sa Porsche car à 911 secondes, l'excentrique chanteur promet de faire attention la prochaine fois, car il n'a pas envie de retourner voir ses deux CNS, bulles, rouler à 130 km/h sur l'autoroute, sa maman-mère de Michel Sardou raconte son stage de récupération de points pic. twitter.com/5ielchdien, bfmtv@bfmtv, January 18, 2023. À lire aussi immédiatement, la France entière se dresse, Michel Sardou très franc en évoquant les récentes polémiques concernant Omar Sy.